السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو. هاد لا فيديو هذا هو في مادة لي ستاتستيك. اليوم غنشوفو كومون كالكولي لا موين، لا فريكونس، لا فاريونس اي لي كار تيب. وهاد لي كاتر موين علاش اختاريناهم بربعة؟ لانه كل واحد مرتبط بالاخر. يعني الا لقيت لا موين اوتوماتيكمون غنلقى لا فريكونس اي لا فاريونس اي لي كار تيب. دونك على بركة الله. Donc au départ, on va voir la moyenne. On considère la série statistique donnée par le tableau ci contre. On a une série statistique qui contient les valeurs, les chromosomes, les valeurs xi et l'effectif ni. Donc pour la ligne les valeurs xi, on a x1, x2, etc. jusqu'à xp. Et la deuxième ligne, l'effectif ni, n1, n2, donc etc. jusqu'à np. Où l'effectif ni, la totale des effectifs, il y a quand même grand N, il y a l'effectif total. Donc, tu arrives dans la moyenne, que je fais la vidéo, la moyenne d'une série statistique et le quotient noté x bar de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. Ou comme on le rappelle du cours, la moyenne, que je fais la vidéo, la moyenne simple d'une série statistique et la moyenne pondérée d'une série statistique. La définition que je fais d'abord, la définition de la moyenne pondérée. L'écran de x bar égale x1 fois n1 plus x2 fois n2, etc. jusqu'à xp fois np sur l'effectif total, les voies n1 plus n2 plus n3 jusqu'à np. Donc, on voit le tarif ou la définition de la moyenne d'une série statistique. Donc, on va maintenant chauffer la fréquence d'une série statistique. Donc, pour la fréquence, donc, soit une calme FI. Donc, on chauffe la remarque à dit. Soit Fi égale Ni sur N, la fréquence de la valeur Xi. Alors la moyenne X bar, donc nous une autre définition de la moyenne pondérée ou X bar. Donc, alors la moyenne X bar égale Fi fois X1 plus F2 fois X2, etc. jusqu'à Fp fois Xp. Donc je vais vous montrer un autre exemple. Donc on a une série statistique. Il y a la précédence, donc adna le nombre d'interventions xi. Donc dans la première ligne on a les valeurs xi, adna la deuxième ligne il y a les nombres de jours ni, c'est à dire l'effectif ni, donc la fréquence égale, donc on a un dire la fréquence qui vient de ni sur la fréquence totale. Donc, c'est pas la fréquence ni sur l'effectif total. C'est pas l'effectif total, on a 25. Donc, on fait 2 sur 25 plus et il y a 0,08. Donc, 5 sur 25, 0,20. 8 sur 25, 0,32. 6 sur 25, 0,24. 3 sur 25, c'est 0,12. Et 1 sur 25, 0,04. Donc, la quotient ADA, c'est la fréquence FI. Donc, la moyenne, c'est les valeurs fois l'effectif NI, c'est-à-dire la première valeur, le produit de la première valeur sont, plus fois son effectif plus la deuxième valeur et son effectif, etc. Donc, la moyenne est 2 fois 3, plus 5 fois 5, plus 8 fois 6, plus 6 fois 16, etc. jusqu'à 9 fois 1. Donc, x bar qui est 6,16. D'abord, on va voir une autre formule, mais avec la fréquence. Donc, l'autre formule de x bar ou la moyenne égale la fréquence Fi qui vient de la moyenne égale Fi fois Xi, c'est-à-dire F de la première valeur fois la première valeur plus
F2, c'est-à-dire la fréquence de la deuxième valeur, fois la deuxième valeur. Donc, la fréquence FI, donc il y a 0,08 fois la première valeur, il y a 3, plus deuxième fréquence, c'est 0,2 fois la deuxième valeur, fois 5, plus 0,32 fois 6. Donc, comme on peut dire, c'est la même moyenne, il y a 6,16. Donc, la moyenne, donc il y a deux méthodes pour trouver la moyenne. Soit on fait le produit de la première valeur fois son effectif jusqu'à la fin, ou qu'on a de la fréquence fois la première valeur plus la deuxième fréquence fois la deuxième valeur jusqu'à la fin. Donc on a la même moyenne. D'accord. Et pour saisir bien la fréquence, donc on va faire cet exemple pour bien comprendre la fréquence. Donc on a l'exemple là. Donc on a le tableau là. Fait les nombres de jours de congé. Prépare les employés d'une entreprise au cours du dernier mois. Donc on a calculé les fréquences de chaque donnée. Donc on a le nombre de jours de congé. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a l'effectif. L'effectif des employés. On a 40 employés. Donc on a par exemple les employés qui ont 0 jours de congé. On a 14. Les employés 1 jour c'est 11. Les employés 2 jours de congé 7. Il y a 5 jours, il y a 4. Donc, il y a un mois, il y a le tableau d'effectif ou là, la série statistique. Maintenant, le brin calcule, le brin calcule la fréquence. Parce que la fréquence, il y a un mois, il y a le tableau, il y a sous forme de caution. Mais maintenant, il y a la fréquence, il y a Ni, il y a l'effectif total. Donc, Ni, il y a la première colonne, on a 14. 14 sur l'effectif total, il y a 40. Donc, deuxième valeur, on a 11 sur 40, c'est-à-dire NIL, l'effectif total. Donc, 7 sur 40, 3 sur 40, etc. Donc, la fréquence se forme de caution. D'abord, on chauffe, la fréquence se forme décimale. Donc, par exemple, 14 sur 40, on a 0,35, 11 sur 40, 0,275, etc. D'abord, on chauffe la fréquence se forme de pourcentage. Mais maintenant, la fréquence se forme de décimal, c'est-à-dire 0,35, c'est-à-dire 35%. 0,275, c'est 25,5%, etc. Donc, c'est pour la fréquence, il marque sa forme de caution, ou la forme de décimal, ou la forme de pourcentage. Donc, il y a la fréquence. C'est pour la définition, il y a là, les raisons de l'Afdoua, on a l'Afdoua par cœur, c'est pour la fréquence sa forme de fraction. Maintenant, il y a l'effectif de la donnée sur l'effectif total. C'est-à-dire qu'on utilise la définition qui revient à écrire. Maintenant, la fréquence se forme décimale. C'est-à-dire qu'on calcule chaque quotient de la fréquence se forme de fraction. C'est-à-dire 14 sur 40 égale 14 divisé sur 40 égale 0,35. Ou là, on utilise la forme décimale par 100. C'est-à-dire 0,35, 4 joha fois 100, il y a 35%. Donc, il y a la fréquence. L'essentiel, on a la définition de la loi, l'effectif NI sur l'effectif total. On a le choix. Imma, qu'est-ce qu'on a dit, sous forme de quotient, ou sous forme de décimal, ou sous forme de pourcentage. Donc, il y a la fréquence. Maintenant, on va voir la variance et l'écart type. C'est la variance. Donc, la variance, donc on doit calculer la moyenne, x bar. Donc, c'est la variance. La variance de cette série est le nombre V. Il y a un écran de V. Il est défini par V égale N1. N1 est la valeur fois, c'est-à-dire N1 est l'effectif fois X1, les voit la première valeur, moins X bar, les voit la moyenne, le tout au carré, plus le deuxième effectif fois la deuxième valeur moins x bar le tout au carré plus jusqu'à xp sur l'effectif total. Donc là voilà la définition de la variance. C'est pas la variance, elle a deux formules
pour calculer la variance. Et maintenant, c'est nous la méthode Hadi. ومازال في الفيديو غنوريكم لا دوزيام فورمول ملي كنلقاو هاد لا فاريونس اوتوماتيكمون كنلقاو لي كارتيب اللي هو اللي كنرمزو ليه ب ا اللي هو راسين دو كاري دو في دونك لا لقينا لا فاريونس اوتوماتيكمون لو راسين لا راسين كاري ديالها اللي هو ا سي دير ا هو راسين كاري دو في c'est-à-dire la variance. Donc, il y a la première définition de la variance. D'abord, on va voir la deuxième définition ou la deuxième formule de la variance. D'abord, on va voir la deuxième formule de la variance, qui est toujours comme vous l'avez fait. On a commencé à faire la formule, il y a la formule l'herbe. هذه سهله بلا ما نحتاج نقلب على لا مويان ولا كيف قلنا بان اكس بار هذه اوتوماتيكمون واش كنديروا كناخذوا في ايغال كناخذوا ان ا صديق لي فيكتيف لو بومي فيكتيف فوا لا فالور كاري لا بومي فالور كاري بلس دوزيام فيكتيف فوا لا فالور كاري صديق هذيك لا فالور كنحاول نديروا لا فوا بويسونس 2 بلس la troisième effectif fois la troisième valeur à la puissance 2 etc sur l'effectif total donc on a la méthode هذه هي celle c'est de dire que les données كلهم كيكونوا عندي في التابلو ديفيكسيف ولا في لا سيري ستاتستيك بلا ما نحتاج نقلب على لا مويان و اكس بار دونك كيف قلنا كناخذ الافيكسيف كنضربو في لا فالور ديالو ولكن هاد لا فالور كنضربها à la puissance 2 plus deuxième effectif fois la son valeur à la puissance 2 et ainsi de suite sur l'effectif total. Donc on a calculé la variance et bien sûr là avec la variance calcule automatiquement l'écart type les ou a égale la racine carrée de v. Donc on a le cours de la moyenne fréquence la variance et l'écart type. Ou fait le vidéo inchallah prochain dans le haoul nchoufou la médiane l'étendue c'est à dire d'autres moyennes et d'autres formules pour les statistiques donc l'akhir comme on dit donc les canaux comme chaque série ou la chute seul il me connaît sur son art les commentaires que vous avez les commentaires là il chie sur la hausse là وفي الاخير لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناه والضغط على زر لايك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.